L'on en vient à l'opération Tchadima qui amorce sa phase retour ou celle du désengagement. Une nuit passée à Diapaga et voici le convoi en route pour Kantchari, un parcours sur lequel il a connu sa première attaque. Le camion plateau transportant le bulldozer est visé par une bombe. Au bilan, le véhicule est endommagé et fort heureusement, rien à signaler côté passager. Le récit est de Dramane Guéné. Il est 6 heures à Diapaga. Le convoi s'articule. Nous sommes sur le chemin du retour, direction Kankari. En principe, l'axe doit être plus facile, mais c'est sans compter avec Dame Nature. Une grosse pluie complique les manœuvres. La première épreuve, c'est ici au pont Tapua-Germa. Le pont est dynamité par l'ennemi. Nous descendons sur le déversoir très restreint et totalement inondé. La traversée se fait avec beaucoup de tact. Un obstacle de franchi. La progression reprend son allure. Le pont Boudieri. Il y a de cela 4 jours, nous avions tracé une route pour contourner l'infrastructure sabotée. La route de fortune est inondée par les eaux de pluie. La boue pour se rassurer qu'elle n'est pas minée et reprendre le tracé. Sur le long du contournement, aucun objet malveillant. Même les endroits les plus suspectés sont sans danger. Le danger, c'est ici sur terre ferme, juste à la jonction de notre déviation avec le goudron. 6 véhicules passent, des éléments à moto aussi, mais RAS. Au passage de la remorque transportant notre machine à tout faire, le bulldozer, une détonation. Prenez votre disposition, prenez votre disposition. Le long véhicule est immobilisé, mais plus de peur que de mal. La mine a pris juste après la cabine. Le chauffeur et ses apprentis sont sains et saufs. Ouais, ça a sauté tout le système de freinage ici. Donc ici, ça ne peut plus freiner. Le système de freinage est touché, car la boîte à air est soufflée. Le gros porteur n'a plus de frein et les roues grippées. Il faut d'abord libérer les roues. Tout le monde devient mécanicien. Soldats et civils tentent de sauver le véhicule. Sans boîte à air, les tubes sont raccommodés, mais ils volent en éclats à chaque essai. La pression de l'air est très forte. On reprend le système, mais cette fois-ci, la boîte à air est remplacée par ce duo, soldat et apprenti. Ils doivent maintenir les tubes connectés jusqu'à destination. Nous avons encore 15 km de route pour rallier Kankari. Le gros porteur doit poursuivre sans frein et les deux éléments entre le tracteur et la remorque. C'est ainsi que nous abordons Kankari. Le véhicule est admis au garage et nous passons la nuit ici.